aujourd'hui du 30, sans samedi 30 août 2014, pratiquement il est 14 à notre montre. Nous procédons à la délivrance d'une femme qui a atteint une folie. Voilà, pour dire qu'elle sera dans ce temps-ci guérie. Donc c'est l'élément vidéo avant et après, il y aura après. Pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, donc ici c'est comme ça. C'est Peniel, c'est un centre de prière de délivrance. Et quand les fous, les personnes atteintes de folie arrivent ici, le Seigneur les délivre. Donc voici un cas. Et vous allez voir après, dans les temps qui vont suivre, Dieu fera des grands miracles. Rachel, tu t'assois. Tu t'assois. Assois-toi. Assois-toi. Poussama. Assois-toi. Voilà. Poussa. Tu t'assois. Voilà, tu t'assois. Avant, elle était violente, c'est ça? Depuis 2008, la Sylvie, les choses ont commencé à s'arrêter. Ça s'est calmé progressivement. Oui, progressivement. Et tu vas voir que, je t'ai dit tout à l'heure, elle va commencer à avoir la conscience. Tu vois? Donc, j'ai fait exprès pour te demander pour que ça soit sûr. Maintenant, c'est des processus. On a commencé avec une action prophétique. Aujourd'hui, c'est fini. Quand tu vas commencer, tu vas voir que les jours qui vont suivre, tu vas causer parfaitement avec elle. Et ça va aller comme ça. Ici, il n'y a plus que ça qui est arrivé ici. Jésus-Christ a guéri. Je proclame la délivrance de cette sœur. Je vous commande, dans le nom de Jésus-Christ, de lâcher son âme. Vous allez me libérer son âme. Je délivre son esprit. Comment ? Au nom de Jésus-Christ, de lâcher son âme. Comment ? 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 De lâcher son âme. Comment de lâcher son âme? Vous libérez son âme. Dans le nom de Jésus-Christ, je délivre son âme. 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 Maintenant même, vous lâchez son âme. Vous lâchez son âme. Vous lâchez son âme. Comment vos esprits, dans sa conscience, et de son subconscient, j'entends vos esprits de la folie de la lâcher au nom de Jésus. Je commande aux esprits de la sorcellerie de lâcher son âme. Allez! Commande au nom de Jésus. Vous libérez son âme. Vous libérez son âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance maintenant. Je proclame sa délivrance maintenant. Je proclame sa délivrance et maintenant même, vous lâchez son âme. Lâchez, elle s'appelle Rachel, c'est ça? Oui, oui. Vous lâchez la lame de la Rachel. Vous m'entendez? Laissez Rachel. Libérez-la. 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 Elle a un foyer, elle a des enfants. Elle doit regagner son foyer. Elle doit retrouver ses enfants. Je vous commande dans le nom de Jésus. C'est à cause d'elle, Jésus est monté à la croix. Et la puissance du nom de Jésus la libère maintenant. Jésus a versé son précieux sang pour la délivrance de cette sœur. Alors je vous commande de la lâcher. Libérez Rachel. Libérez-la maintenant. Vous les démons, partez. Voilà, partez. 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 Maintenant, c'est un ordre. C'est un ordre. Libérez sa vie. Je vous commande de lâcher sa vie. Je vous commande de libérer sa vie. Libérez-la maintenant même. Maintenant même, vous la lâchez de suite. Je vous commande au nom de Jésus. 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 Lâchez-la. Libérez son subconscient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez sa vie maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez plus de pouvoir, autorité sur sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir d'autorité sur sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir d'autorité sur sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir d'autorité sur sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir et d'autorité sur sa vie. Oui, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de lâcher son âme. Je vous ordonne de libérer sa vie. Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Lâchez-la. Je la délivre.
Je la délie. Je la délie maintenant. Je délie son âme. Je la déchaîne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire vos œuvres. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je proclame sa délivrance. Dégagez! Et libérez sa conscience. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Vous la lâchez maintenant. Vous libérez son âme et maintenant. Vous libérez son âme et de suite. Vous la lâchez maintenant. La puissance de Dieu se manifeste dans la vie de cette sœur. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant même. Maintenant même. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Je libère ta conscience. Je libère ton subconscient. Au nom de Jésus, l'esprit te lâche. Vous les démons, vous la lâchez. Vous libérez son âme. Vous libérez sa vie. Vous libérez son âme. Vous libérez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance 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 de Jésus. Te libère maintenant, maintenant, maintenant. Je proclame ta délivrance. On peut avoir une bouteille, Dieu. Non, si c'est ce que les hommes. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Maintenant, 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 maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous arrache cette vie. Oui, elle ne sera plus votre esclave. Oui, Jésus régnera sur cette vie. Vous les démons, vous ne serez plus maître de cette vie. Jésus sera Seigneur. Jésus sera le maître. Il régnera en maître sur cette vie. Et ce corps sera désormais le temple du Saint-Esprit, non pas une habitation des démons. C'est pour cela que je vous commande de lâcher. Rachel, libérer sa conscience. Elle a besoin de changer avec ses parents, sa famille, retrouver sa dignité au nom de Jésus. Elle doit retrouver sa dignité. Et les minutes qui vont suivre, les uns qui suivront, sa délivrance est proclamée. Sa délivrance est proclamée. Parce que le Fils de Dieu, qui est Jésus, est apparu pour détruire vos œuvres. Il dit, je suis l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Je la libère au nom de Jésus. Je proclame. En ce jour, en cette date, la délivrance de cette sœur, qu'elle retrouve sa conscience dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Je te communique une onction de guérison au nom de Jésus. Sois guéri, sois libéré, totalement libéré de cette folie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Parce que nous t'avons vaincu des démons à cause du sang de Jésus-Christ. Nous t'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ. Je proclame la puissance ou le règne de Jésus. Que ton règne vienne, Jésus-Christ. Règne en maître et donne gloire à ton nom. Tu es Seigneur et puissant. Tu seras toujours glorifié. Parce que tu es le même. Ce que tu as fait hier, tu le feras aujourd'hui et éternellement, tu opéreras des miracles. Tu n'as pas changé, Jésus. Puissant, tu es, Seigneur, capable de guérir. Nous croyons fermement la guérison de cette sœur. Nous croyons fermement sa délivrance. Parce que tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Merci pour sa délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Rachel, recouche-toi. Rachel. Rachel, couche-toi. Rachel. Rachel, couche-toi. Rachel, couche-toi. Recouche-toi. Rachel, couche-toi. Couche-toi. On a. Ah, d'accord. Voilà, Paul. Ma peau. On a. Bon. Voilà qui est un capot. Voilà qui est un capot. Vas-y, Paul. Bon, voilà qui est un capot. Bon.
Elle est plus à même Puna. Po. Merci. Po, 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 prends capo. Po. Mais le pied en capo. Ok. Elle est plus à même capo. Po. Ok. Po. Prends capo. Po. Puna. Po en capo si c'est. Po. Po manco si c'est. Po, prends en capo. Puna. Ma po, pour manquer quoi si c'est? Po, prépo, oda, oda, prépi en capo. C'est la délivrée. D'accord. Quand tu marches avec Dieu, deviens un homme surnaturel. Dieu, c'est le surnaturel. Si vous voyez, regardez Chandelman, vous allez prendre un coup. Moi, je la vois comme une femme guérie. Et on lui montrera plus tard sa vidéo. Ici, déjà, tout de personnes ont été guéries. Au départ, elle criait, n'est-ce pas? On a commencé à mettre de lui. Et une étape. L'étape qui va venir. Dieu est en train de faire quelque chose pendant qu'elle assise. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans son subconscient. C'est des démons. Et c'est les démons. La folie, c'est des légions de démons. Voilà. Ils vont partir. Voilà. Les temps qui vont suivre, tu vas voir. Les choses iront mieux. Le temps de causer avec elle. Là, elle peut boire. Mm-hmm. Elle peut maintenant. Elle peut boire même du café. Non. 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 Même les anticrédits. De l'eau. De l'eau aussi. Elle ne fera que boire de la bouillie à partir de lundi. Commencez la donner à manger lundi. Lundi. C'est lundi qui vient. D'accord. Après dimanche. Oui, après dimanche. Après. Voilà, shalom. Dieu est un Dieu de miracles. Nous sommes à Penuel. Nous sommes en train de prier pour une malade. Et c'est ça la compassion des âmes. Juste après une funéraille, elle se retrouvait dans l'état de la folie. C'est ça, monsieur? C'est ça. Comment vous pouvez expliquer quelque chose par rapport à son... Non, mais c'était le vendredi. Vous êtes son époux, c'est ça? Oui. Vous avez combien d'enfants, ça? Nous avons 8. D'accord, explique. Oui, oui. C'était sa maman qui avait perdu son mari. Mm-hmm. Et nous sommes allés au funérailles. Donc, moi, je lui ai dit que je venais dimanche. Elle est restée pour revenir après. Et quand je suis arrivé... Elle m'a dit qu'elle venait le dimanche prochain. Et subitement, bon, elle arrive lundi. Elle n'avait jamais fait des cris de folie. Non, jamais. Mais le lundi, bon, quelqu'un m'apprend que ah, il a vu ma femme à Yokobo. Il dit non, 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 c'est pas ma femme que tu as vu. Ma femme a dit qu'elle vient dimanche prochain. Que je n'attendais même pas à ma femme. Bon, le mardi, dans l'après-midi, dans les 17h, elle arrive. Bon, les enfants ont préparé le fils de moi. Elle arrive. Vous êtes dans quelle ville? Bon, moi, je suis de Yokobo, à 3 km de Yokobo, Yakassé. Que je connais bien Yokobo. Mm-hmm. La rue de Grand là-haut. Voilà, c'est ça. Et donc, on dormait. Bon, elle allait se coucher. Elle est en train de 3h du matin. Bon, j'étais en plein sommeil. J'ai remarqué que ma femme a été de taper le lit. Boum, 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 boum. J'ai dit, mais Gracie, qu'est-ce que tu fais? Tu as quoi? C'était fini comme ça. Elle a perdu la raison. Elle a perdu la raison. J'ai dit, mais comment? Tu veux quoi? Même mon. Bon. Un moment, bon, ça m'a énervé, j'ai même porté mes boutiques, donc c'est pas la peine, pourquoi tu es en train de me harceler. Voilà. Et donc c'était parti, bon, moi j'ai pris ça, bon, pour un petit truc, bon, ça s'est dégénéré comme ça. Ça fait combien de temps il est comme ça? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, bon, c'était le mardi dernier que ça avait commencé. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être que... Deux semaines. Bon, peut-être que... Voilà, deux semaines. Deux semaines. Vous croyez à la guérison de soi? Bien sûr. Nous te rendons la gloire, Seigneur Jésus. Nous croyons fermement, Seigneur. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que le juste vivra par la foi. C'est la foi qui fait vivre le juste. Nous croyons tellement ce miracle. Et nous te rendons toute la gloire. Merci de l'opérer, Seigneur. Et donne-nous la joie à son époux et toute sa famille. À toi la gloire, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Voilà, je sens que tu peux me donner. Alors, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes pratiquement à cette date du 15 septembre 2014 à Zaroko. Non. À Zaroko, c'est notre base ici, c'est notre base. C'est
ici notre base, c'est ici notre centre d'opération, notre centre de délivrance. Comme la dernière fois, nous avons communiqué là-dessus, Divo n'est qu'une administration. Les locaux servent de l'administration, en même temps un centre d'accueil, d'hébergement pour ceux de la diaspora, bien sûr, qui aimeraient que nous rendent visite. Mais c'est ici que tout se passe, quoi. C'est ici que notre centre de délivrance, de guérison et tout ça. Donc là-bas, nous, là-bas au niveau de Divo, on n'arrive pas à interner les gens. C'est l'administration, le service de communication, le service, le secrétariat et tout ça. Et en même temps, un centre d'hébergement. Pour aider, pour héberger ceux qui viennent de l'extérieur, pour nous, pour qu'ils puissent vraiment être libres pendant leur séjour. Et donc, c'est ici. Voilà. Donc, nous sommes en train de tout aménager pour démarrer une activité. Nous démarrons le week-end prochain. Le week-end prochain avec une grande retraite à partir du mercredi prochain. Le mercredi 24 au 28. Une retraite spirituelle. Voilà, une retraite spirituelle intense ici. Par la grâce de Dieu, je ne serai pas le seul. Sinon, qu'avec d'autres orateurs, d'autres serviteurs de Dieu, on aura l'occasion de prier pour les membres du ministère, avec la nouvelle vision, tout ça. Donc, je suis là juste ce matin pour les préparatifs. Parce que j'ai décidé que cette semaine soit une semaine off, pour permettre de régler certaines choses. Je suis déjà mis certaines choses au niveau des Divo à place. Il faut que je sois ici pour régler certaines choses, au niveau de la toiture, comment régler certaines choses ici. Bien. Je vais en profiter maintenant de rendre le témoignage de cette dame, bien. Monsieur, vous venez avec votre femme, s'il vous plaît. Non, pas lui. Venez avec votre femme. Voilà. J'espère que vous voyez déjà le visage de cette dame qui était venue avec, dans un état de folie très exagéré. Elle était vraiment atteinte d'une folie, cette femme. Elle est atteinte d'une folie. Vraiment une folie. On l'avait enchaînée. Elle est venue. Ils m'ont appelé. J'aurais amené Lazaroco par la grâce de Dieu qu'elle sera guérie. C'est ce qui a été une chose faite. Elle est venue, c'est l'état enchaîné pendant des temps. On va répartir où elle est enchaînée. Vraiment, toi, tu vas servir Dieu. Satan, tu vas l'écraser. C'est maintenant tu vas l'écraser. C'est un menteur. Voilà, donc c'est ici qu'on essaie de mettre des personnes. Des personnes. Donc c'est ici qu'on met les personnes atteintes de la folie. Bien. Non, va doucement. Elle avait quelques. Elle a fait combien de jours là? Deux semaines, non? Presque 10 jours. 10 jours. Ça traîne. Non, doucement. Elle a fait 10 jours ici, des états de folie très exagérée, inconsciente. Maintenant ça va. Tu peux témoigner en deux minutes. Ton nom et le nom de ta femme. Et je m'appelle Didier André Charles, ma femme s'appelle Lumière Rachel. Et elle avait eu, elle était tombée, elle avait eu plein sommeil, elle s'est levée, elle est devenue folle. Et ses parents sont venus me dire que ici à Zaroko, on peut soigner cette folie. Et Dieu n'a pas, ils n'ont pas menti, quand je suis venu avec elle, vraiment, et elle a eu la guérison. Amen. Elle a eu la guérison. Vraiment, je suis satisfait. Je ne sais pas combien de fois je vais remercier le prophète. C'est Dieu seul qui peut le remercier pour moi. Amen. Salut, moi. Ça va chez toi? Ça va? Oui, shalom. Ici, c'est un Dieu de miracles, qui est bien un Dieu de miracles où Jésus-Christ se manifeste. Nous croyons encore à la puissance de Jésus-Christ. Nous savons qu'il est encore le même, encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire. Guérir, ressusciter même les morts. Ici, Zaroko, c'est un centre de prière, un centre international. Zaroko est devenu international. C'est un centre international de prière de délivrance. Vous avez des cas de folie, vous avez des cas de maladie très graves. Vous pouvez venir chez Zaroko. C'est à Zaroko. C'est à Zaroko. C'est vrai que Divo, c'est l'administration, mais tout se passe à Zaroko. Zaroko, qui est dans la sous-préfecture de Iré, dans le département de Divo, on appelle région de l'Ogbois, dans le département de Divo. Descendez à Divo. Quand vous êtes à Divo, vous demandez la gare de Conakro. Dès que vous êtes à Conakro, vous rendrez à. Vous demandez la gare de Iré. Iré, étant Iré, vous demandez la gare de Zaroko. Vous rendrez à Zaroko avec vos malades. Jésus-Christ fera le reste. Shalom, que Dieu bénisse. Ah! Allez, allez, allez. Ah! Sors! Lâche-la, allez, allez. Ah, toi, hein?
C'est sa mère. Appuie. Lâche-la. 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 Allez. Allez. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Allez. Feu. 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 Libère-la. 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 Allez. Feu. Allez, tu vas la libérer. Libère son mariage. Libère sa fécondité. Libère sa fécondité. Libère sa fécondité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. 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 Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la faire sortir. C'est ça ta vie. C'est sa mère. C'est manifeste. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est son nom? Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Au nom de Jésus. 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 Allez. Sors d'elle. Laisse-la. Laisse la vie. Le feu sur toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Te libère, 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 au nom de Jésus. Le feu. Fais sur toi. Fais sur toi. Allez, allez, libérez-la. 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 Allez, allez, allez. Allez, libérez-la. Allez, laissez son ventre. Laissez son ventre. Laissez son ventre. Libérez son ventre. Libérez son ventre. Allez, au nom de Jésus. 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 Allez, 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 allez. Libérez-la. Libérez-la. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Tout tes yeux dans ses corps. Libérez-la. Au nom de Jésus. Allez, libérez-la. Au nom de Jésus. Feu. Feu. Laisse-la. Laisse la vie. Laisse la vie. Ma quoi? Depuis quand elle est dans sa vie? Maintenant tu vas la laisser. Oui, au nom de Jésus. Jésus tu vas la laisser. Parce que elle a besoin de se marier. Non, tu ne peux pas la marier. Tu peux pas la marier. Oui, mais je refuse tes œufs. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? Ma faille, ou A fait bannir ma.
Affrontement. Tu vas la laisser. Tu vas la laisser. Tu vas la laisser. Allez, va-t'en. Va. 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 Va-t'en. 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 Laisse son foyer. Laisse son bonheur. Laisse sa fécondité. Laisse sa fécondité. Laisse sa fécondité. Au nom de Jésus. Laisse la fécondité. Tu vas la libérer maintenant. Tu vas la libérer maintenant. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Dans le nom de Jésus. Va-t'en. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Le feu sur toi. Désormais le feu sur toi. Désormais le feu sur toi. Quitte sa vie. Quitte. Quitte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Où est la moitié d'huile là? Maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ, en tant que tout ce que l'ennemi t'avait volé, que soit restitué, la fécondité, la stabilité dans le foyer, la bénédiction financière, le bonheur t'accompagne désormais, la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen.